Hello à tous, ici Fuxilax, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire? On va tout simplement voir ce que c'est que la cybersécurité. Oui, tout simplement. Alors, bienvenue, venez me parler. Bienvenue à la maison, je suis votre adulte de confiance et je vous aiderai à naviguer en sécurité sur Internet et dans les espaces numériques. N'oubliez pas de toujours... N'oubliez pas de toujours vous arrêter et de réfléchir avant de cliquer. C'est très important. Oh, quelqu'un toque à la porte. C'est un zombie. Faut-il ouvrir la porte? Arrêtons-nous un instant. On se dit et on réfléchit. Est-ce que c'est correct? Est-ce un inconnu? Est-ce qu'on se sent en sécurité? Vous ne connaissez pas cette personne. Êtes-vous sûr d'ouvrir la porte? Ne pas l'ouvrir. Bien joué! Votre choix vous a permis à vous et à votre famille d'être en sécurité, tout comme dans le monde réel. Vous devez faire des choix pour assurer votre sécurité ainsi que celle de votre famille. Internet est un endroit formidable, mais il peut parfois être trompeur. Rappelez-vous, même si vous faites un mauvais choix, je serai toujours là pour vous aider. Et n'oubliez pas de vous arrêter de réfléchir avant de cliquer. C'est stylé! On dirait une mission pour le golem de fer. C'est bien de demander de l'aide parfois. Demandons donc de l'aide au golem de fer. On va appeler le golem. Oh! Ah ouais, il l'a tué. La maison avec un... Bah c'était plutôt stylé, hein? Oh! Mais le setup, il est ouf! Eh, c'est dingue! Attends. Demandez à votre adulte de confiance l'autorisation d'utiliser l'ordinateur. D'accord, ok. Je peux utiliser l'ordinateur? J'ai entendu une notification sur l'ordinateur, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Vous avez reçu une invitation pour jouer sur un serveur de jeu Minecraft. Hey, c'est Aiden, de l'école. Ce nouveau jeu cool vient de sortir, si tu as le droit de jouer, faisons une partie et essayons-le. Mon nom d'utilisateur c'est MindGamer1212. Tu peux me rejoindre maintenant? Demandez la perm. Vous avez le droit de jouer avec Aiden en ligne, bien sûr. Rappelez-vous bien son nom d'utilisateur, MindGamer1212. C'est important car de nombreux noms d'utilisateurs peuvent se ressembler. D'accord. Waouh! Interagissez avec le gestionnaire d'amis. Gestionnaire d'amis. Vous avez réussi, génial! Vous avez 4 demandes d'amis. N'oubliez pas, vous vous arrêtez et de réfléchir avant de cliquer. J'aime dire avant de faire un choix. Faites-le avec moi. Vous avez 4 demandes d'amis. Qui est votre ami de l'école? Lui. Bien joué! Vous avez choisi la bonne demande d'amis. Faites bien attention lorsque vous jouez en ligne. De nombreux noms d'utilisateurs se ressemblent. Intéressant, intéressant. Je trouve ça stylé, franchement. Ça nous apprend plein de choses sur la cybersécurité, tout simplement. Parce que parfois, les gens ne font pas attention. Te voilà. Essayons ce nouveau défi de parcours. On va voir si tu peux aller jusqu'au bout. Oh! D'accord. C'est un défi. Ok. Ah bah là. Ah bah là, j'ai l'air malin. Oh, on peut remonter là, d'accord. Remontons. Bon, je vais essayer de faire le parcours à ma manière, on va dire. C'est-à-dire essayer de jump. Peut-être reconnecter le clavier, attendez. Voilà, c'est bon, je connectais clavier souris. Maintenant, peut-être que je serai plus fort. Allons-y. Ok, c'est bon. Hop. Parce qu'en clavier souris, je peux vous dire, c'est pas la même chose. Oh oh. Ah, faut faire un double jump. Ok, c'est raté. Allez, on va recommencer encore. J'espère réussir un jour, hein. Ça va, je suis pas non plus le pire en jump. Mais...
Il n'y a même pas besoin de double jump en fait. C'est juste moi qui ai un FOV un peu trop grand pour mes yeux. Ok. Oh. Ok. C'est bon. Coucou l'ami. Salut. C'était sympa. Je dois aller finir mes devoirs, mais je reviendrai plus tard pour rejouer. D'accord. Rentrez à la maison. Adulte de confiance. J'espère que vous avez bien joué avec votre ami. N'oubliez pas que de nombreux noms d'utilisateurs se ressemblent. Il est donc important de trouver le bon nom lorsque vous vous connectez avec des amis en ligne. Tout à fait. J'ai entendu une notification sur l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est? Oh! Eh bien, je me demande bien ce que c'est aussi. Vous avez un nouveau message. Lire le message. MindGamer1212 dit: essaye ce nouveau labyrinthe super cool en ligne. C'est vraiment difficile, on va voir si tu peux battre mon meilleur score. Eh bah, allons-y! Vous pouvez vous connecter à votre compte pour essayer le nouveau jeu de labyrinthe. Mais rappelez-vous, ne donnez jamais vos informations personnelles. D'accord. On est d'accord sur ce point. Sur mon serveur, à chaque fois, je mets ne pas donner informations personnelles. Bon, même si les gens la mettent quand même, on va dire, à peu près. Alors, pro gamer. Salutations, joueur. Vive! Ce labyrinthe, c'est vraiment difficile. Ce labyrinthe est vraiment difficile. Il sera peut-être même trop difficile pour vous. Mais j'ai un code de triche spécial. Ça vous passe en mode créatif, vous passerez devant tous les autres et vous aurez à coup sûr le meilleur score. N'oubliez pas de vous arrêter et de réfléchir avant de cliquer. J'aime dire avant de faire un choix. Faites-le avec moi. Je peux mettre ce mode spécial dans votre compte. Donnez-moi simplement votre identif. Non merci. Joue au labyrinthe. Le mec en mode ouais. Accès ci-dessous. Ouais. Ah d'accord. J'avais pas compris. Bon, on va suivre ma technique, toujours suivre le mur de droite. Droite, droite, droite. Je vous l'avais dit. Générateur de labyrinthe. Salut! Ouf. Je devrais peut-être rendre ce labyrinthe un peu plus difficile. Vous avez l'un des meilleurs temps que j'ai vu depuis un moment. Il y en a qui essayent de tricher, mais ils ne gagnent jamais. Bravo, merci d'avoir joué. Rentrez à la maison. Bonjour. Oh. Vos informations personnelles sont en sécurité. C'est super. J'ai remarqué que vous avez reçu un email de Marthe. Au sujet de l'armure que nous avons commandée. Le dîner sera bientôt prêt. Vous y jetez un œil avant de manger. Très bien. Interagissez. Vous avez un nouveau message. Lire le message. Objet. Problème avec votre commande MineMart. Message. Nous avons rencontré un problème avec votre dernière commande. Contactez-nous pour obtenir de l'aide. En savoir plus. Let's go. C'est un peu un écran de chargement, ça. Assistant. Il semble y avoir un problème avec votre commande. Je ne sais pas ce que vous avez commandé, mais nous devrions pouvoir résoudre ce problème facilement. Accédons à votre compte. Pour vérifier l'expédition de votre commande MineMart, j'aurai besoin des identifiants de connexion de votre compte. N'oubliez pas. Réfléchir. Pouvez-vous partager vos identifiants de connexion de compte avec moi? Bah c'est assistant quoi, c'est... Je ne partage pas. Merci. C'est tout pour moi. Oui, en effet. Oh. MineMart. Employé de MineMart. Oh. Vous pensez qu'il y a un problème avec votre commande? Laissez-moi vérifier. Bonne nouvelle, il n'y a aucun problème avec votre commande. Elle est en train d'être chargée dans le camion de livraison en ce moment. Vous pouvez aller le vérifier. Vérifier le camion.
C'est une jolie armure. Nous vous assurons de la manipuler avec le plus grand soin. Elle arrivera là chez vous très bientôt. Très bien. Bonjour. Maintenant, vous savez à quel point il est important de jamais partager les informations de compte. Les vraies entreprises ne vous enverront jamais d'email vous demandant les informations de votre compte personnel. C'est pas faux. Je viens de réaliser que nous n'avons plus de dessert. J'ai mis 5 émeraudes sur votre compte. Pouvez-vous commander une tarte à la citrouille au marché de la jungle pour moi? De la jungle? Pour moi? Très bien. Utilisez le moteur de recherche pour trouver tarte à la citrouille au marché de la jungle. De la jungle, je sais pas pourquoi je dis jungle. Écran de chargement. Let's go. Ah! Boulangerie, pirate, tard. D'accord. Oh, hé, hey, matelot! Voulez-vous un trésor en or? Eh bien, nous avons quelque chose d'encore mieux que de l'or. Nous avons des tartes à la citrouille! Oh, ce n'est pas le bon magasin. Vous devez toujours vous renseigner sur les nouvelles offres provenant de. Mais quoi? Provenant de sources inconnues. Vérifiez les commentaires des clients ou demandez de l'aide avant d'acheter auprès d'une nouvelle source. Allez parler aux commerçants et voyez si vous pouvez récupérer vos émeraudes. D'accord. Alors par contre, leur truc est mal fait, faut casser le machin là. Voulez-vous récupérer vos émeraudes? Très bien. Mais vous devrez les trouver vous-même. Elles sont quelque part ici. Trouvez le bon bouton et vous récupérez. Les récupérez. D'accord. Les bons boutons. Ah. Quel soulagement, vous avez récupéré vos émeraudes. Maintenant, essayons à nouveau de et voyons si vous pouvez acheter la tarte à la citrouille dans le bon magasin. Certes. Marché de la jungle, mais oui, c'est ça. Bonjour, nous avons hâte que vous goûtiez de nos tartes à la citrouille. Nous préparons des tartes tous les jours en utilisant les meilleurs ingrédients de notre propre ferme. C'est tout garanti. Vous allez adorer nos tartes. Vous récupérerez vos émeraudes. Ok, bah achetez. Bien joué, vous avez choisi la bonne boutique en ligne. Acceptez des offres spéciales provenant des sources inconnues pour vous faire perdre votre argent et avoir un impact sur les autres personnes de votre famille. C'est pas faux. Eh quoi, comme quoi, même moi qui, on va dire, connais quand même tous ces principes de cybersécurité et tout. Je me fais carotte. Je me fais carotte. Pâtissier. Oh, ça va être chiant, ça. Voilà. Vous êtes ici pour une tarte à la citrouille? Nous en avons qui vont sortir du four. Voulez-vous des cookies pendant que vous impatientez? Si vous trouverez les ingrédients à l'intérieur et que vous nous les ramenez, nous vous offrirons des cookies tout chauds. Trouvez les ingrédients. Il y a plein de gâteaux et tout là. Non. Est-ce que tu veux que je les trouve, toi, tes machins? Cherchez des coffres et rapportez-nous les objets afin que nous puissions vous faire des cookies tout frais gratuits. Attendons la tarte. Votre tarte à la citrouille est prête, cela vous coûtera 5 émeraudes, vous allez adorer. Voilà, rentrez à la maison. Coucou adulte. Waouh, merci d'avoir acheté cette délicieuse tarte à la citrouille. De rien. Vous avez vécu une grande aventure sur Internet aujourd'hui. Vous avez appris différentes façons de naviguer en sécurité sur Internet et dans les espaces numériques. Bravo pour vos choix. N'oubliez jamais de vous arrêter, de réfléchir avant de cliquer. Je serai toujours là pour vous aider si vous avez des questions ou des problèmes. Très bien. Regardez,
Mindmart vient de livrer votre nouvelle armure. Vous pouvez la récupérer. Je resterai ici avec vous. Essayez-la pour que nous puissions voir à quoi elle ressemble. Très bien. Oh. C'est en émeraude, carrément. Très bien. Hop là. Regardez. Rappelez-vous qu'Internet peut être trompeur. Mais nous sommes là pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Nous serons toujours à vos côtés, même si vous le faites une erreur. Très bien, mais j'ai essayé mon armure. C'est quoi ça, certificat? Félicitations, vous avez réussi! N'oubliez jamais obtenir le certificat. Nous pouvons rendre Internet plus sûr. Oh, pâtissier! Astuce pour un Internet plus sûr. Vérifiez toujours les nouvelles offres provenant de nanana. Ah, d'accord, ils nous rappellent tous, d'accord. Eh bah écoutez, bah on a terminé, hein. En tout cas, bah j'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, je suis en armure, en émeraude et tout, avec mon setup incroyable. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, du moins intéressé, bah si vous voulez, vous pouvez mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Sinon, ne mettez pas de pouce bleu, ça ne sert à rien. Très bien, ça ne sert à rien. Si vous voulez revoir des vidéos de ce genre, bah abonnez-vous, mais sinon ça ne sert à rien de s'abonner. Ne vous abonnez pas si vous ne voulez pas revoir des vidéos de ce genre. Moi en tout cas, c'était Fuxilax. Je vous dis peut-être à la prochaine, si vous êtes là ou pas. Et bah ciao. Tchuss.